Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Binding of Isaac Rebirth. Aujourd'hui, on se retrouve pour un new run où on va jouer Judas. Alors vous voyez qu'avec Judas, j'ai déjà validé en hard le côté The Chest, le côté cathédrale. Et maintenant, aujourd'hui, on va tenter le boss rush et surtout faire Sheol, les enfers, tout ça, des choses pas très agréables. Alors Judas, c'est un perso que j'ai pas beaucoup joué en VOD. Et tenez, on va jouer le risque dès le début. On va faire ça, regardez. Pouf, s'il n'y a pas un cœur dans ces deux petits trucs, je suis mort. Ok, il n'y a pas de cœur, je suis mort. Je suis typiquement mort, mais, on va espérer qu'une des deux pills nous sauve. Full health, non? Full health. Voilà, on a été sauvé par des pills. J'espère que ça vous fait plaisir, moi ça me fait plaisir. Donc qu'est-ce qu'on a comme item quand on joue Judas? On démarre avec un petit Book of Belial. Voilà, attention, qui augmente, comme vous pouvez le constater ici, nos dégâts de 2, je crois que c'est 2. Et on commence avec... Eh ben avec ça, c'est tout. Mais on n'a qu'un cœur. Et on n'a qu'un cœur, c'est la misère. Alors on est sur un niveau XL, c'est exceptionnel. Pourquoi? Parce que Book of Belial a comme particularité, et c'est la particularité pour laquelle il est connu principalement, d'augmenter la vie des gens, d'augmenter les dégâts des gens, pardon. Donc, non, toi tu vas sortir. Allez, allez mon coco, allez, allez mon coco, allez, allez mon coco, allez, allez, olé. Ok, nickel, et on va le laisser exploser plus tard. Pouf, Rosary face up, il a donc la particularité, disais-je, je vais finir ma phrase, d'augmenter nos dégâts, mais aussi de forcer, oui, de forcer, alors c'est évidemment pas bien de forcer les gens, mais là, ça va, c'est un bon forcing, il a la capacité de forcer les Devil Deal. Donc quand on joue avec le Book of Belial dans les mains, on a forcément un Devil Deal sur l'étage chauffe. Pour le premier étage, puisque le premier étage ne peut pas posséder de Devil Deal, à une exception près, hein, le Basement One et le Cellar One ne peuvent pas, sauf si, car il y a un sauf, ah, une forest curse, sauf si, et c'est le cas si j'appuie ici, voilà, sauf si on est sur un Basement XL, le deuxième boss peut contenir un Devil Deal, parce qu'il est considéré comme Basement 2 ou Cellar 2. Donc, c'est plutôt le swag, plutôt la tendance, plutôt oulalalala. On va donc avoir nos deux salles au trésor et on va tenter le boss rush, évidemment. Alors, toi, il va falloir que tu décèdes, je suis désolé, merci. Toi, ça va être le même délire. Ah, non, tu me pètes dessus avant, mais je t'en prie, j'adore quand on me pète dessus. Il y a deux choses que j'aime quand on me pète dessus et quand on m'urine dessus. Donc, si vraiment tu voudrais, si tu voulais me faire plaisir, tu sais ce qui te resterait à faire. Alors, on fait attention à lui. On le décède, on le décède, on le décède, on le décède. Voilà, nickel. Et alors lui qui se met dans les coins lâchement pour nous faire chier. Oulala, oulala. J'aime pas trop quand tu te déplaces comme ça. C'est pas... C'est nonchalant. C'est nonchalant. C'est nonchalant. Hop là, nickel. On fait attention à pas de se faire écraser par... Ouch, ouch. Oui, oui, merci. Alors, on va éviter d'être tous des gens spéciaux comme ça. Non, merci. Voilà. Ah, toi, t'as envie de te suicider, je le... Non, non, t'as pas envie de te suicider, d'accord, j'ai compris. Je vais te tuer dans les règles de l'art. Avec un grand R. Ouah, il est satanique. Non, non, merci, exceptionnel. Et on n'a pas le temps, les gars. On n'a pas le temps, il faut se speeder à un moment. Sinon, le boss rush va être mort. Alors, c'est con, hein, mais quand, sur mon premier run, où j'ai joué, qui n'était pas un run en live, pour le coup, qui était un run privé, et où j'ai fait... où j'ai réussi à faire une partie des objectifs qu'on avait à faire, je me suis dit, bon bah, boss rush, si je peux le faire, je le fais, sinon, hop hop, ouh, virgule, mais sinon, je ne le fais pas, et puis c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, mais là, on est sur un deuxième cas, c'est-à-dire qu'à la fin de ce run-là, si je n'ai pas fait le boss rush, je n'ai pas fait le boss rush, c'est tout ce qui va se passer, donc ça ne m'arrange pas. Direction, premier boss, Dingle, on active le Book of Belial, et on te canarde. Ouh, j'aime quand tu fais ça. Ah non, non, pas quand je joue mal. Pas quand je joue mal, pas quand je joue mal. Et on te canarde, on te canarde, on te canarde. Et... Non mais non, c'est du vol. Rends l'argent des abonnés, bordel. Rends l'argent des abonnés. Avec un skill comme celui-ci, il faut rendre l'argent des abonnés. Fonce-moi dessus si tu veux. Non, merci. Tu vas décéder, tu vas décéder. Tu vas décéder. Et... Bible. Alors la Bible... C'est un très bon item, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que si on prend la Bible, on n'a plus notre Book of Belial.
mais ça peut être un item assez captivant et assez passionnant. Donc pourquoi pas garder la Bible, mais il va falloir que le premier Devil Deal soit exceptionnel. Sinon je ne sacrifie pas mon Devil Deal pour ça. Je ne sacrifie pas mon Book of Belial pour quelque chose de mauvais. Donc il me faut des premiers Devil Deal exceptionnels. Alors le deuxième boss, on ne pourra pas activer Book of Belial parce que, sauf s'il nous chope, s'il nous donne une batterie, mais la probabilité qu'il nous file une batterie est quand même relativement faible. Mais c'est pas très très grave hein, de pas réussir à avoir le Book of Belial, on n'en a pas besoin, c'est un supplément. Et on se tape un item de merde, Little Gish, Sticky Friend. Pas l'item qui me fait le plus rêver, mais on va s'en contenter et on remonte direction le shop. Ouais. En plop twist, oh. Le shop, parce que je sens bien le grid déjà, et pas de grid, et au pire voilà, il y a forcément, enfin pas forcément, non c'est pas vrai, il n'y a pas forcément, mais il y a de grandes chances qu'on se tape une Steam Sale. Voilà, Steam Sale était quasiment obligatoire. Pas Steam Sale, pourquoi je dis Steam Sale? Parce que je l'ai vu et que je m'étais dit, oh c'est un bon item, grosse probabilité donc d'avoir un cœur gris. Ah là, ma phrase était bonne. Là, très bonne phrase, très très bonne phrase. Et direction le deuxième boss. Salut monstro. Donc là pour le coup on est content parce que le deuxième boss est facile. Alors évidemment ça fait partie du peu de boss où l'item que je viens de critiquer est utile, parce que vu qu'on est tout le temps, enfin tout le temps, très souvent aligné à lui, il y a de grandes chances de le ralentir. Donc c'est entre guillemets utile. Après est-ce que ça... Oh, merde, oh le boulet. Est-ce que ça en fait un item vital? Je ne pense pas du tout. Et j'aurais préféré bien des choses. Et boum, Devil Deal. Et boum, Devil Deal. Merci. Squeezie. Hop, qui nous donne des petits cœurs gris. Merci Squeezie. Et donc là, Dead Cat, s'il te plaît. Et merde. Donc là, avec un Devil Deal comme celui-ci. Hop là. Je ne peux pas me dire, je vais me débarrasser de mon Book of Belial. Toi, qu'est-ce que tu nous donnes? Pretty Fly, excellent. C'est la bleue. Pretty Fly, c'est la bleue. Donc on va garder notre Book of Belial et partir au suivant étage, à l'étage suivant. Exceptionnel, excellent, vous suivez. Alors, direction Cave 1. 6 minutes, il va falloir se speeder. Hop là, on peut rentrer là-dedans, tranquille. Hop, est-ce qu'il y a une bombe? Non. Est-ce que ça c'est bien? Non, c'est de la merde. Et ça par contre c'est exceptionnel. Parfait. On a fait du pesos. Là on a fait du pesos et c'est appréciable. Hop là, toi tu vas mourir, merci. Ce demi-cœur, on n'en a rien à faire. Hop là. On va tuer ça en premier. S'il vous plaît. Ça, tu suis. Bon, tu suis pas en fait, hein. C'était un test. C'était un test pour voir si tu suivais. Ok, toi non plus. Ok, génial. Et suivant. Suivant n'est pas suiveur. Voilà, exceptionnel. On récupère des petites pièces et on a beaucoup de cœur gris. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de cœur gris. Oh, alléluia, alléluia. Et on a des dégâts. On a énormément de dégâts. Le Mom Knives, le truc qui tombe jamais en Treasure Room, est tombé en Treasure Room. Donc, on est content. Hop, et c'est exceptionnel. On n'a pas cassé cette flamme, mais c'est pas grave. Alors là, deux possibilités. On va remonter. Soit on va à droite, soit on va à gauche. La droite m'inspire plus. Oui. C'est vraiment, voilà, c'était vraiment le feeling, I got a feeling. Hop là, donc on a très mal joué, mais c'est pas grave, on a un item qui fait du dégât. Donc, même en jouant mal, ça fait le travail. Et c'est ça qui est appréciable. On va garder notre counterfeit penny. Bonjour messieurs, bonjour messieurs, et bonjour messieurs, on remonte. Bonjour, au revoir. Hop là, on va activer le Book of Belial, histoire de faire genre. Bonjour, j'ai activé le Book of Belial histoire de faire genre. Et j'ai pris des dégâts à cause d'une mouche. Là, HP up exceptionnel. Et on va ici. Et on s'en tape. C'est une Satanic Bible, je crois. Je suis même quasiment sûr. Et elle ne nous intéresse pas. Donc, étage suivant. Alors là, on n'est pas très très chanceux niveau... Ça, on s'en fout. On n'est pas très très chanceux hein, niveau Devil Deal. Mais on a tellement eu Mom Knives des familles... en item Treasure Room qu'on n'est plus à plaindre. C'est à dire qu'on est arrivé à un niveau où la plainte est interdite. Voilà. Oups. Tu m'as désaxé. Tu m'as désaxé, wesh. Tu m'as désaxé.
Hop là, alors direction le shop serait une bonne chose. Ça c'est pas un shop à droite, hein. Il y a deux clés, donc c'est forcément autre chose qu'un shop. Je ne sais pas exactement ce que c'est, enfin je ne peux pas savoir exactement ce que c'est. Et là je pourrais savoir puisqu'on a assez de bombes pour être rentable. Hop là. Et hop là. Et un peu de mal, beaucoup de vie, c'est con. Hop là. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Salut. Et salut, merci. Et clé suivante. Et de flush qui ne nous intéresse pas du tout. Que j'ai activé histoire de faire genre, mais je m'en tape. On récupère Notebook of Belial. Et let's go. Hop là. Bonsoir, bonsoir. Petite bombe des familles ici. Merci. Alors on va pas prendre notre temps, on va pas retourner par exemple à la salle qu'on avait repérée. Elle est trop loin, on va partir à l'extrémité gauche parce que je pensais, parce que maintenant je sais que c'est plus le cas, je pensais que le boss serait ici. Un feeling, un mauvais feeling visiblement. Et voilà. Et on a 50% off, ok. Exceptionnel, et on a une très bonne carte, Challenge Me, qui va nous permettre d'aller au boss directement sur un étage. On va l'utiliser au prochain étage, je pense. Faut l'utiliser sur un étage intelligent, c'est-à-dire un étage, là, celui-ci, on l'a déjà pas mal observé et analysé. Donc, gaspiller cette carte sur cet étage-là est pas le truc le plus rentable du monde, parce qu'il me reste plus beaucoup de possibilités pour trouver la Treasure Room. Hop là, la Treasure Room, la Boss Room, ici. On n'a pas d'ouverture. On se casse. Aïe, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh, vous m'enquiquinez un peu, hein, quand même. Non. Non, merci. Et direction le boss. Hop là, alors là, ça va être misérable. Voilà. J'ai annoncé. On pourra pas me dire que j'ai pas prévenu. J'ai annoncé que ce serait misérable. Mom's Eats Range Up. Ça ne m'intéresse pas, par contre, le contract from below, j'aime. Et me prendre des dégâts parce que j'ai pas à one shot du feu, j'aime beaucoup moins. J'aime beaucoup moins, mais on fait avec. Et c'est là l'intelligence du projet. C'est là la quête du désir absolu. C'est cette idée qui consiste à se dire, allez, fais péter José. Fais péter José. Hop là. Je te téplan, je te téplan, je te téplan. Voilà. Itch. Ils sont morts. C'est bien, j'aime bien tuer les gens. Lol. Ok. Ok. Ok, je te téplan. Merci. Je te téplan. Non, je te téplan pas. Ouh, toi je te téplan. Ouh, je te téplan. Ouh, je te téplan. Et... Ah oui, je passe pas à travers les blocs. J'ai vraiment l'impression de passer à travers les blocs. Donc des fois je fais des trucs un peu bizarres. Ah, non, c'est où? Ah, c'est toi. Excellent, excellent, j'ai adoré. Ça j'en veux pas. Exceptionnel. Exceptionnellement mauvais. Parfait. Et oh, The Halo. Alors, nos treasure rooms sont très chanceuses parce que The Halo, un all stat-up comme ça, ça fait plutôt plaisir. On rentre là-dedans pour essayer de trouver quelque chose. Au pire, ça nous a fait perdre qu'un demi-cœur parce que mon alarme sonne. Mon alarme sonne plus, The Emperor, direction le boss, The Gate, il va être défoncé, attendez, hop là, Book of Belial, et on esquive ça s'il te plaît, merci, merci, c'était un plaisir de te rencontrer, hop, et on récupère Page and Boy qui nous ramène de la Money Money, et on va voir ce qu'on a cette fois-ci en Devil Deal. On a Krampus, génial. Alors s'il me file une Krampusette, ça me ferait un petit peu chier dans le sens où j'ai pas envie d'utiliser Krampusette, Lump of Coal, parfait. Étage suivant, on est à 12 minutes, ça veut dire que le boss rush va être sûr, parce que bon, on va pas mettre plus de 8 minutes à faire un étage, ce serait quand même un petit peu compliqué. Après, il faut le réussir, le boss rush, ça c'est une autre histoire. Mais y accéder ne sera pas le problème cette fois-ci. Non, excusez-moi messieurs. Non, excusez-moi, bonjour, au revoir, et salut. Et Guppy Z, bah je vais garder Guppy Z temporairement. Non, on va garder notre Book of Belial. Et on verra après pour Guppy Z. Ça fera le taf plus tard. Bonjour messieurs.
Bonjour messieurs, je fais très mal. Bonjour, bonjour. Bonjour. Enchanté. Merci. Au revoir. Et money money, on a 40... On a 50 pièces. On a 50 pièces et pas de shop, génial. On pourrait aller gambler mais j'ai pas envie de perdre une seule micro nano mini seconde. Et ça c'est une petite intervalle de temps. Donc on va pas gambler. Pouf. Non, non, excuse-moi, excuse-moi. Oui, oui, excuse-moi, décède. Non, mais tiens, je te déplante. Voilà, le respect, en une phrase. Bon, il va falloir trouver quand même ce cette treasure room et après ce boss. Fais péter la clé, fais péter la bombe. Non, et merde. Et fais péter la deuxième bombe. Ok, et qu'est-ce qu'on a en carte de Joker? Merde, 2 of clubs, donc qui multiplie nos bombes par 2, on va la claquer maintenant. Ce sera fait, de toute façon on n'a pas spécialement besoin de bombes. Non, s'il vous plaît messieurs, ma vie est sacrée, merci. Qu'est-ce qu'on a en carte? J'étais en train de dire, il faudrait The Hierophant parce qu'on est un peu en galère niveau vie. Et on a un double The Hierophant, donc 4 cœurs gris. C'est exceptionnel. Non, excusez-moi, ça va pas être possible comme ça. Non. Vous êtes un peu chiant à tuer vous quand même. Vous avez une trajectoire un peu discutable. On va pas prendre... Bon, on va prendre ça, on a déjà trop d'argent en fait, donc pourquoi pas... Ah, on a un shop. On a un shop, go to the shop. Et qu'est-ce qu'on a? On a ceci qu'on va prendre. Et ceci qu'on va prendre. Et ceci qu'on va prendre juste pour voir ce que c'est. On n'en sait rien, on l'active. Et ma thèse, ça ne nous a rien coûté à part de l'argent. Mais on n'a pas besoin d'argent et on va aller claquer un petit peu ce qui nous reste dans la machine à donation. On survient quand même le temps. Ok, c'est bon, on a encore 5 minutes pour faire l'étage. On est plutôt tranquillou. Cette machine à donation ne s'arrêtera donc jamais. Allez, arrête-toi, on n'a pas le temps. Enfin, on a le temps, mais pas à ce point non plus. Allez, t'es censé être bloqué. Normalement, je mets 3 pièces, t'abandonnes, tu fais « Oh, c'est bon, j'en ai marre, laisse-moi tranquille » et tout. Et là, tu prends complètement ton temps. Si tu me laisses mettre l'intégralité de mes pièces, je quitte YouTube. Je regrette ce que je suis en train de dire. Je regrette beaucoup ce que j'ai entendu. Bon, c'était donc ma dernière vidéo sur YouTube. J'espère qu'elle vous plaît. Parce que maintenant, faut que je le fasse. Non, je vais pas le faire. En fait, j'ai menti. Je suis un menteur. Oh, on s'en fout. Non, mais sérieusement, comment c'est possible? Je sais pas combien de pièces elle m'a accepté, mais elle a dû m'en accepter au moins 30. C'est n'importe quoi. Elle accepte jamais autant de pièces. Ah, il me reste 2 pièces. Donc j'ai pas menti. Elle a pas accepté toutes mes pièces pour l'instant. Parce que j'ai pas essayé de lui donner toutes. Bon, ok, c'est bon. J'essaie de trouver des excuses. C'est pas le truc que je fais le mieux. Après, voilà, chacun ses qualités, ses défauts, et surtout ses défauts. Hop là, tu es mort. On a 2 nouvelles clés qui vont nous servir strictement à rien, mais qu'on prend pour le plaisir. Et coucou, mom. Ah, non. Pas assez bien cadré. Ouais, salut, toi. Wow, 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 on se calme, les gars. Allez, mom, écrase-moi. Parce que je veux pas utiliser le Book of Belial, on va le réserver pour une fois, à chaque fois j'oublie, et là cette fois-ci je n'oublie pas, on le réserve pour le boss rush. Et... Hop là. Hop là, toi tu vas mourir là-haut parce que sinon tu vas mettre des dégâts en sneaky. Et nickel. On doit prendre côté des négatives, on a 3 minutes pour faire nos Devil Deal. Et alors, si je dis pas de bêtises, je prends ça. Pentagramme et après je peux prendre lui. Voilà, Abaddon qui nous donne qui nous enlève tous nos cœurs rouges, mais on n'avait plus de cœurs rouges, et qui nous donne 6 cœurs noirs et on a une vie complètement pétée. Alors là, niveau item, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre what? Ça peut être drôle ça, la Spoonbender. La Spoonbender qui nous donne des homing shots. Homing shot avec le Mom Knives, c'est plutôt rigolo. On active le Book of Belial, on l'oublie tellement nos dégâts sont massifs. Et non, toi tu vas pas chier par terre. Voilà, parce que j'aime pas tes cacaroses dégueulasses qui font des dégâts. Il a pas eu le temps d'en mettre. Et on est plutôt tranquille, on est plutôt posé. Bonjour, tu es... What? Les dégâts de l'infini. Ok, ah, il est mort l'autre boss, mince. J'ai pas fait exprès, désolé. Désolé. Je m'excuse auprès de vos familles pour le manque de respect. C'est assez important de s'excuser, puisque là, bah, plus personne va vous respecter de toute la vie. Pareil de l'autre côté. Le respect disparaît, merci. Le respect disparaît, j'ai dit, voilà. Excellent. Waouh, je tire n'importe où, ça va tuer des gens. C'est du génie. Ah, un cœur gris. Ah, des ennemis morts. Ah, d'autres ennemis morts. Ça va être le boss rush le plus rapide de ma vie. C'est ça qui est bien. Ah, bah il est mort. Il est où l'autre? Ah, c'est toi, excuse-moi. Excuse-moi, je t'avais pas remarqué. Excuse-moi, voilà. Excellent, tu es mort. Suivant. Oh, toi je t'aime pas du tout d'habitude, hein.
Mais je crois que là je vais bien t'aimer. Ah bah oui, tu es mort. Suivant. Toi. Ah mais tu es mort. Excellent, exceptionnel. Suivant. Tu es mort, merci. Et l'autre c'est le vert qui va mourir incessamment sous peu évidemment. Voilà, il est mort aussi. Il s'est caché, il a résisté en se cachant environ 12 secondes et demie. Voilà. Vous êtes mort, c'était un plaisir. Vous êtes mort, vous êtes mort, vous êtes mort. Ah, vous avez cassé un de mes cœurs. Gris, noir, violet, bleu, rouge. Une couleur, enfin je sais plus laquelle. C'était un cœur noir, merci. C'était exceptionnel. Tu es mort, merci. C'était un plaisir. Tu es mort. Oh, oh, attends, ah non, tu n'es pas mort, excuse-moi. Tu n'es pas mort. Attends, c'est une question de temps, évidemment. Mais voilà, là tu es mort. Et quel est l'autre méchant qui nous embête? Il est où? Oh non, je sais pas où il est, mais je sais qui c'est. Mais il va mourir. Donc c'est pas très appréciable. Non, sérieusement, il est où? Ah, ok, tu es caché en haut. Enfin, tu étais caché en haut parce que depuis, bah, tu es mort, voilà. Ah non, il reste ton petit sceptre somptueux qui se balade. Hop là. Il restait ton petit sceptre somptueux qui se baladait. Et vous êtes mort et tu es mort. Non, oh, tu m'as touché. C'est mignon. Allez, tu reviens. Ah, tu es ici. Excellent, excellent, excellent. Et on l'a fini, Sister Maggie. Pas l'item de rêve, mais bon, c'était gratuit. Ça nous a pris environ 12 secondes de faire le boss rush. Et surtout, surtout, on a validé le boss rush avec Judas. Direction Utero One. C'était violence absolue. Je crois que j'en ai... Vous pouvez vérifier sur les autres VOD, hein, mais je crois que c'est la première fois que je le faisais aussi vite. Et la violence va évidemment continuer sur ces étages, parce qu'on a toujours le Homing Tears. Ce qui fait que, évidemment, notre couteau est attiré vers le visage des ennemis. Et ça, c'est appréciable, ça, on aime. What? Depuis quand on a deux girlies comme ça? J'aime pas trop ça, les gars. J'aime pas trop ça, mais je vous ai one-shot, donc tranquille. On a quoi comme item? Ah, non, excuse-moi, il y a une petite mouche qui traîne. Pouf, on a Road Rage, et qu'est-ce qu'on a ici? Des trucs sympathiques, mais qui coûtent trop cher. Je fais rarement les Devil Deal avec les cœurs gris, parce que... Sauf quand j'en ai vraiment beaucoup, mais j'en ai rarement vraiment beaucoup. Donc, on passe à l'étage suivant. Womb 2, et là, on peut aller mettre nos X pièces qui restent dans la machine à sous, ou plutôt dans cette machine-là. Parce que... Non, 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 non! Voilà, on a sauvé la machine. Salut, je m'en fous. Donne-moi Scattle, s'il te plaît. Hey, et là, tu me donnes Scattle. Ou tu me donnes pas Scattle. Et là, tu me donnes Scattle. Ou tu me donnes pas Scattle. Ah, là, tu me donnes un Scattle. À la limite, tu me donnes une clé. Ah, non, non plus. Ok, t'en as rien à foutre. Bah, écoute, t'en as rien à foutre. On va être deux en avoir rien à foutre. Et je vais te souhaiter adieu. Et tu m'as rapporté beaucoup de pièces en crevant. Et ça, c'est appréciable. Parce qu'on va aller mettre notre money ici. Et ça nous rapporte encore plus de pièces. Toujours plus de pièces. Toujours plus de pièces. Et il explose. Génial, bonne journée. On va mettre une petite bombe ici et te dire adieu à toi aussi. Voilà, pièce, 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 pièce. Et pièce, voilà. Et on cherche, on s'en fout. On n'a pas besoin de plus de... On n'a pas besoin de plus de dégâts, on a besoin de rien en fait là. On a juste besoin de finir accessoirement. Mais niveau stats, on peut rien faire de mieux. Là, il y avait un échange en bombe qui était plutôt rentable. Table juste à côté, voilà. Donc on va le faire histoire d'eux, mais c'est pas vital. On pose nos bombes ici et ici, et ça nous donne pour le prix de 2 bombes, 4 bombes, donc un bénéfice de 2 bombes. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a ça. Enfin, on avait ça. Salut toi. Je me suis fail. Hop là, vous êtes mort, et tu es mort, et toi qu'est-ce que tu es? Luck down, on s'en fout, on avait déjà pas énormément de luck. Direction plus bas. Hop, on se prend masse dégâts pour rien parce qu'on joue comme un pied. Nope, nope, nope. Ok, nickel. Ok. Voilà, il nous manque un truc pour avoir une run complètement pétée, c'est l'habilité à voler. Qu'on n'a pas sur cette run, mais qui est très appréciable de manière générale. Et malheureusement, on fait 100 aujourd'hui. Voilà. Au revoir, c'était un plaisir. On a quand même perdu pas mal de vie. Donc j'ai pas trop aimé. Mais direction Sheol. Direction Sheol pour faire Satan. Alors Satan, ça devrait pas être trop compliqué.
Parce que ce qui nous a fait des dégâts là, c'est les larmes. Satan dans sa deuxième phase va peut-être nous balancer quelques larmes à la gueule, mais ça devrait être raisonnable. Et oh non, non, ça c'est une salle où on perd de la vie, ça. C'est une salle où on perd de la vie. Et voilà, je vous avais dit qu'on allait perdre de la vie. On perd tout le temps de la vie sur ce genre de salle. Salut, tu peux réapparaître s'il te plaît? Allez, fais pas ta pute. Merci. Et on remonte, on a un demi-cœur. C'est très chaud. C'est très chaud, ça va peut-être mal se finir, mais on a fait un boss rush exceptionnel. Donc vous me pardonnez. Puis si vous me pardonnez pas, je vous emmerde. C'est une méthode de communication discutable. Hop là. Donnez-moi des cœurs les gars, s'il vous plaît, donnez-moi des cœurs. Ayez pitié. Je veux juste vous tuer, moi, je veux pas votre... Enfin si, je veux votre mal, mais c'est une question de point de vue après. Enfin, je veux dire, qui êtes-vous pour juger? Ah non, tu vas éviter les rayons laser, toi, merci. Et tu es mort. Allez, un petit cœur, s'il vous plaît, un petit cœur, s'il vous plaît. Non, enfin, s'il vous plaît, peut-être. On va éviter de dire ça après, hein. Moi, je veux pas être... Je veux pas être offensant, hein. Avec personne. Personne, personne. Vous avez le droit de dire s'il vous plaît. Ok, salle suivante. Ok, ça, c'est une salle du gâteau. Si on joue pas comme un pied. Voilà, et qu'il y en a aucun qui est lâché et aucun n'a été lâché. Bon ok, ça c'est une salle où il n'y a pas d'ennemis, donc mourir dessus aurait été assez misérable. Je stresse ma race, je stresse ma race. C'est pas agréable de jouer dans des conditions de stress supérieures à la norme. The Fallen, Fallen, Fallen. Ok, le boss est juste ici. Et ça va être très compliqué, parce que outre le fait qu'il a 3 phases... Il est obligé de nous mettre des dégâts. La première phase devrait pas nous toucher. Moi c'est la deuxième phase qui me fait vraiment flipper, hein. La première est anecdotique, je pense. Voilà, la première est assez anecdotique. C'est la deuxième qui fait peur, sa race. Ok. Ok, ok, là tu cours lâchement. À base de lâcheté, tu te fais écraser par un pied venu du ciel. Mais on aura quand même réussi à faire quelque chose de potable. Le boss rush est fait. Il nous restera donc à faire Satan et le boss qui vient après et qui a un nom mais que je ne le connais pas. Alors on va faire comme si je le connaissais. Évidemment, évidemment j'ai menti, hein. Je n'arrête pas les vidéos YouTube, ça n'a aucun sens. Mais ce que je vous dis, c'est qu'on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Unster Bleacher. Oh yeah. Allez, bye bye. J'ai quand même été tué par ma fierté sur cette run. J'ai beaucoup trop fait le malin. Ça me prendra.